Épopée évoquant la perpétuelle lutte qui oppose Ngong, le monde des immortels, à Okui, le monde des mortels, est totalement ancrée dans une nostalgie des origines. Le récit Mvet raconte l'histoire du peuple Fang qui est parti d'un beau pays de hautes montagnes verdoyantes entourant le lac de la vie à Toremi, à la recherche d'une terre promise où le soleil se couche dans l'océan. Mvet est sorti du corps de garde et est devenu multiforme. Dans certains milieux universitaires, il est désormais une source d'inspiration, d'émulation, voire un mode de vie. Si j'ose dire que le Mvet est appelé à se transformer, c'est parce que le monde où nous vivons n'est pas un monde statique. Rien n'est figé. Et ce qui est plus mobile dans tout cela, c'est la connaissance. Le Mvet, je ne suis pas le premier qui transforme le Mvet, c'est-à-dire qui prend l'engagement de partir du verbe à la forme. Il y a eu des gens qui ont fait avant moi. Déjà, même lorsqu'on remonterait dans l'histoire du Mvet, l'instrument a connu plusieurs modifications. Le Mvet, déjà, ce que ça m'apporte dans mon travail de plasticien, c'est un équilibre. Un équilibre, c'est presque viscéral, quoi. J'ai une formation de graphiste à la base, donc c'est relativement détail, on travaille là-dessus. La description qu'on fait des personnages, des scènes, et toute la cosmogonie même Mvet t'emmène à des formes relativement étirées et épurées au maximum. Donc très fluide, quoi, aérienne. Il y a 3 ans, en lisant Tirandon Tutum, L'homme, la mort et l'immortalité, j'ai été capturée par le jeu de mots, la traduction un peu herméneutique du Mvet dont j'ai interprété. Lui, il a écrit, et moi, je rends, dans ma tête, je rends le mouvement des couleurs. J'essaie d'imaginer un peu la scène. Et c'est comme ça que je me suis dit, là, c'est toute une richesse. Avant tout récit Mvet, il y a ce moment sacré. Don François, initié vers les années 60 par le grand maître Zuengema, nous livre ici un extrait original et obligatoire pour tout maître diseur de Mvet. La genèse de la création et la généalogie initiatique qui le lie à Yonada Ngon, à qui le Mvet fut d'abord révélé. Qui était mon cobra? C'est celui qui avait parlé le premier. Qui? Eyo. Eyo. On dit Eyo, il y en a Eyo. Celui qui est au-dessus de toutes choses.
Yo, il y a nos ans, c'est lui qui est au centre de toutes choses. Et yo, il y a un gaïo, c'est lui qui a vomi toutes choses. Et yo, un gaïo, et yo, c'est alors multiplié. Et yo, un adjoma, c'était, et yo, est dans toutes choses. Adjoma, c'est né, yo, était, toutes choses est dans, et yo. Yo, il y a un c'est yo qui donne. Yo y en avait, c'est yo qui retire. Yo y en jo, c'est yo qui parle. Yo y en bas, c'est yo qui agit. Djoma djoma, aucune chose, mort à mort, aucun homme, sissiman sissim, aucun esprit. On ne peut connaître comment est Eyo. Bevaïem, an Eyo, an Eyo, inyan, c'est Eyo, qui est. Je précise et Tsira le confirme que le nom d'Eyo était inconnu des 10 heures de Mvet jusqu'à Zwingema qui le révèle pour la première fois. Et on a donc l'idée que c'est Eyo qui est parole. Zwingema dit Eyo est parole, il est verbe. Et c'est donc ce verbe qui est l'objet de la parole des origines, parce que le Mvet ici se définit comme parole des origines. Elle est donnée à Oyona Dangon. Chaque société a son livre. Livre, entendons par là, le livre des livres. Le livre qui codifie l'existence et la vie d'une société. Par exemple, j'en veux pour preuve les Hébreux. Les Juifs ont leur livre. La Bible, en quelque sorte, est le livre des Juifs. Les Juifs se réfèrent à la Bible pour codifier toute leur vie, n'est-ce pas? Jusqu'à parler des 10 commandements qui ne sont qu'un extrait du livre des livres qu'est la Bible. Les Arabes, certes, en termes de foi, en termes de croyance, on peut dire qu'ils sont musulmans. Mais j'allais dire que le livre des Arabes, le livre des livres des Arabes, c'est le Coran. Les Arabes, c'est le Coran qui guide leur vie, qui prescrit leur comportement, jusqu'à prescrire la guerre. La loi coranique concerne toute la vie. C'est un peu, en quelque sorte, le rapport que certains fans, dans le milieu traditionnel, les fans anciens, entretenaient avec le Mvet, jusqu'à en faire un rituel sacré à l'occasion des retraits de deuil. Entretenir l'affluence drainée par un retrait de deuil est le devoir et la fierté de la famille qui l'organise. À cette occasion, les parents apportent les contributions de toutes sortes qui permettent de soutenir le rythme des festivités du début jusqu'à la fin. C'est ainsi que pendant près d'une semaine en général, le village vit au rythme des danses traditionnelles dont les costumes chatoyants et la joyeuse énergie des danseurs éveillent l'admiration des participants. «
Depuis 61, j'ai quitté l'école. J'ai travaillé jusqu'à 80. J'ai abandonné les travaux et je suis maintenant avec le MVET. J'ai des plantations, c'est à cause du MVET. Ces plantations-là sont débroussées. J'ai des maisons, j'ai des enfants. Je les fais nourrir, c'est à cause du MVET. Donc c'est le MVET qui est mon vrai travail actuellement. Arrivant parfois dans la discrétion, le conteur n'en est pas moins attendu par les connaisseurs, qui savent qu'au détour d'un nouveau récit, il peut annoncer une prédiction, prodiguer des enseignements, rappeler les préceptes de la sagesse, mais surtout qu'il va révéler la parole sacrée des Yo. Donc pour Eno Belinga, comme pour Maître Tsirandong Dutum, l'Omvet renvoie à trois entités. C'est d'abord, bien entendu, un instrument de musique, parce qu'à l'origine, l'Omvet est dit à travers cet instrument de musique qu'on appelle donc l'Omvet. L'Omvet est aussi un homme, c'est le diseur de Mvet lui-même qui est Mvet, et on dit Mvet et Nomvet, l'instrument Mvet, un bon Mvet à Nomvet, c'est-à-dire le diseur lui-même est Mvet, mais la philosophie profonde du Mvet est aussi Mvet. Et Oyona Dangun découvrit le palmier raffia nommé Anzim, dont une tige sèche d'environ 1m30 servira de base à l'instrument. Suivant la tradition initiatique, le maître diseur de Mvet, Mbabekal, du village Nkar, fabrique lui-même son instrument selon un rituel précis qui s'appuie sur une somme de connaissances techniques et musicologiques. Le Mvet est une harpe sitar. Pourquoi ? Parce que il obéit aux deux principes à la fois. Principe de la harpe, les cordes sont sur un même plan, disposées à peu près sur un même plan. Et principe de la sitar, le manche et la table ne font qu'un, et la corde est donc disposée, en quelque sorte, tirée sur le manche, sur la table. Voici pourquoi le Mvet peut être appelé harpe sitar. C'est donc la tradition du Mvet elle-même, donc une tradition endogène, estime qu'il y a réellement une filiation de l'arc musical à l'harpe sitar Mvet. Selon Asumudong, on progresserait en quatre temps. Un premier temps qu'il appelle Naotse, où nous avons la courbure de l'arc musical avec un résonateur sur une extrémité. Et on progresse un peu après avec toujours un arc musical, mais qui s'appelle cette fois-ci Ekaona, où nous avons en plus des deux premiers éléments cités, donc la courbure, une corde, un résonateur, un chevalet central qui permettent d'obtenir deux sons différents. Et on progresse après Ekaona à Oyonada, où nous avons cette fois-ci maintenant intervient le Mvet, proprement dit. La courbure de l'arc est bien moindre, bien moins importante. Et nous avons en plus maintenant un résonateur supplémentaire, un petit résonateur supplémentaire, et nous avons les quatre cordes. Et enfin, nous avons la forme actuelle, beaucoup plus équilibrée et harmonieuse, où nous avons les quatre cordes, le chevalet et trois résonateurs à chaque extrémité. Donc deux à chaque extrémité et un résonateur central. Oh,
L'onvet le plus répandu actuellement, il s'appelle Angwanman, Angwanmanekum. En traduction littérale, ça signifie « la vie des demoiselles est finie ». Et ce style a été initié par une femme de la Guinée équatoriale, Okorisila. C'est elle qui a initié le style Angwanman. C'est un style très viril, c'est un style rituel. Alors, c'est celui-là que jouait Zhengema Dangye, dont ils sont d'Andoum. C'est celui-là même que raconte Tsiren Don Philippe. Je disais que pour avoir accès à ce style, il fallait être initié, en fait. Et je disais que l'initiation ouvre des facultés mentales, c'est-à-dire que normalement, lorsque un chanteur d'un vet, un diseur d'un vet, va jouer d'un vet, il perçoit de manière, disons, mystique le message. Quand il est initié, il dort avec son vet au chevet du lit, à Kalenon. Si la nuit, en dormant, il sent le vet vibrer d'un son. Quand... Alors, à ce moment-là, il se réveille, il joue l'instrument et il perçoit le message. Il y a d'abord la présentation des deux entités, le pays des immortels et le pays des mortels. Cette présentation est importante parce qu'elle permet de montrer que nous avons affaire à deux univers, à deux conceptions différentes de la société, de la matière, de l'esprit. Donc ça, c'est la grande présentation. Ensuite, il y a une naissance qui survient au pays des mortels. C'est donc le personnage sur lequel les mortels vont miser pour aller arracher le secret de l'immortalité. Mais la naissance de cet enfant est déjà problématique, comme parlerait Lucien Goldman. C'est un personnage problématique parce que dès qu'il naît, tout le pays des immortels est alerté parce qu'on sait que c'est en lui qu'il y a, que configure tout l'espoir du renversement du pays mortel. Après cette naissance, il y a la préparation. La préparation, donc on met en place toutes les techniques possibles de préparation psychologique, initiatique, toute forme de préparation permettant la maturité du jeune guerrier qui est un peu celui qui porte les espoirs immortels. Et il y a bien entendu le casus belli, c'est-à-dire le problème qui suscite l'affrontement direct. Et l'affrontement, le casus belli est l'affrontement. Après cet affrontement, il y a la délibération. Et après la délibération, il y a deux issues où le personnage est vaincu. Et à Ngong, il y a un tribunal démocratique qui va statuer pour se demander
si on doit lui laisser la vie sauve à ce moment, il va dans les travaux forcés de Bikalik. Dans le Mvet, il y a trois familles, trois clans à Ngong. Les trois clans représentent à peu près les trois pouvoirs. Tous ces trois pouvoirs se surveillent entre eux. Et il ne faudrait pas que l'un domine les autres. Il y a le pouvoir économique qui est incarné par Mme Otougo, c'est le plus riche d'Engon. Il y a le pouvoir militaire qui dépend directement du pouvoir politique qui est détenu par Ngbaondo. Il est rare d'ailleurs de voir Ngbaondo dans un état de colère. Comme ça, c'est le Tutumufulu. Ngonendon, Zemedan et les autres. Eux, ils ont toujours recours au courroux, à la colère. Tandis que Ngbaondo est un homme très astucieux. Il sait prendre ses adversaires. Il y a Akomamba qui s'est dit le chef suprême, ou qui est dit le chef suprême, mais qui ne l'est pas en fait. Parce que ce n'est pas le pouvoir politique qui est le plus puissant à Ngon, c'est plutôt le pouvoir spirituel. Vous voyez, quand il y a des guerres, Akomamba n'y peut rien. On est obligé d'appeler Ngombe, qui lui est sorcier, et il n'habite pas le même pays que les gens du pouvoir. Il habite, il est relégué au fin fond de la brousse, c'est là-bas qu'il évolue, c'est là-bas qu'il est, mais quand il y a un problème important, c'est lui qui vient trancher, c'est lui qui a le pouvoir véritable. Le personnage d'Angoum Beremba, ou d'Angoum, on l'appelle aussi Angoum Otse, c'est celui-là qui est le prêtre d'Ngong. Il aurait assisté à la naissance de la vie, en même temps il fait partie du clan des Mba, Mba Vinekan. Et ce personnage est extraordinaire. Alors voilà son histoire. Lorsqu'il a été question qu'Ngong se positionne avec un grand prêtre, un maître de la forge, des questions ont été posées. En l'occurrence, ont-ils demandé aux populations qui allaient accepter de jouer ce rôle. Tout le monde a levé la main. Et puis on a commencé par déterminer les conditionnalités. La première était de ne pas prendre femme. Il y avait encore quelques mains levées. La deuxième était de ne pas avoir d'héritier. Une ou deux mains levées. Et la dernière était de ne pas du tout utiliser l'organe mâle. Alors là, il n'y avait plus de mains levées, sauf la seule main qui ait eu la dignité de se lever. Celle de l'abnégation, celle de l'abstinence, celle du sacrifice total pour la communauté. C'est le prêtre parfait qui est Ngoum Beremba, qui aurait un double, disent les grands maîtres, à Okui, qui s'appelle Ayangoum, qui serait lui-même la réplique d'Ngoum, qui s'est ainsi redoublé à Okui comme à Ngoum pour contrôler les deux mondes. Ce personnage est extraordinaire parce que il se propulse partout, il est tout à fait partout dans le Mvet. Un autre personnage extraordinaire est celui de Abir Mamemba, c'est le diseur, c'est le tambouriste, c'est celui qui est l'émérite joueur de tam-tam. Il ne mange pas, il ne boit pas, il est impliqué dans son instrument, il cherche les sons, il absolutise sa recherche. Il est absolument attiré par la perfection de cet instrument et l'instrument est devenu comme l'autre lui-même, comme son double. Alors, il arrive à monologuer, à soliloquer, à parler seul avec l'instrument et les femmes ont fini par penser que c'était certainement l'une des femmes l'ayant quitté qui était rentrée dans l'esprit de cet tam-tam et elle ne pouvait pas supporter cela, elle le jalousait pour son amour pour les tam-tams. Présents dans tous les récits Mvet, les personnages féminins bénéficient des mêmes attributs moraux que les hommes. Les femmes dirigent, décident et participent à la guerre.
ce sont des héroïnes à part entière. La femme dans l'Mvet a deux visages qui correspondent à deux situations bien données. Une situation de paix ou une situation de guerre. En ce qui concerne la situation de paix, la femme est soit la mère, soit l'épouse, soit la fille d'un homme. Il y a aussi une femme en situation de guerre, c'est l'impératrice du bout du monde, qu'on appelle Elangakena. Une vieille femme à moitié pourrie qui vit au pôle sud ou au pôle nord, mais en tout cas on dit sur le sommet de la terre, où tout est froid. Cette femme vit là, elle habite dans une paillote, elle est toute pourrie. Quand Ngondo la voit, il surmonte son dégoût. Et puis elle lui fait à manger parce que ça faisait des semaines qu'il cherchait au Vendoum, qu'il n'arrivait pas à trouver au Vendoum. Et puis, pendant qu'il mange, la vieille femme se transforme en belle jeune fille. Ngondo ne résiste pas. Il fait ce qu'il était prévu de faire. Et en contrepartie, la femme lui indique où est caché son ennemi au Vendoum. On s'est rendu compte que les femmes sont des enjeux de guerre. Qu'elles sont à l'origine des guerres. L'objectif, pour ne pas dire le but, c'est la vengeance. Soit ayant Kabab veut venger son père, soit les immortels d'Engon veulent venger leur fille, Nkudaoma Zamotuku, qui a été tuée. Mais la femme est toujours là, arrivée au bon moment pour relancer l'action. Par exemple, Ovondum veut baisser les bras parce que tout le monde foule. Ngonendo, Ngbaondo lui font une guerre terrible. Il est à bout de magie, d'armes guerrières magiques. Il veut baisser les bras. Après, tac, l'auteur met sur son chemin l'idée de Yankaba de saboter. Et puis il dit, mais la vie vaut la peine d'être vécue. Je vais quand même me battre jusqu'au bout pour cette femme-là dont je suis amoureux. Et c'est comme ça que la femme est utilisée dans le Mvet pour relancer l'action, pour susciter la guerre et pour maintenir l'homme debout. Lors de l'Odzamboga, le long voyage migratoire qui devait les conduire à la terre promise, le peuple fan se heurta à Adzap, l'arbre géant qui leur barra la route. Ils accomplirent alors des cérémonies qui leur permirent de franchir cet obstacle en passant par Mfula Adzap, un tunnel qui fut creusé à la base du tronc. Cette description ésotérique et d'autres parfois poétiques faites sur la grande migration du peuple fan sont aujourd'hui un ferment pour la recherche scientifique qui tente de percer la vérité cachée de ces fragments de récits énigmatiques. Vous savez que de nombreux auteurs traitant du Mvet ont réduit la métallurgie du Mvet essentiellement à une métallurgie du fer, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas pu appréhender le récit dans toute sa complexité. Je me suis attaché à recréer une métallurgie autre que celle du fer, c'est-à-dire celle du cuivre, en partant d'une formule essentielle de la cosmogonie, qui est une énigme fondamentale, qui nous dit ceci: Eyo, l'invisible et le sans-forme, engendra Mbos Eyo, le cuivre. Mbos Eyo engendra Akingos, œuf de cuivre qui se forma avec quatre faces, grossi devant Yonada Ahuri, explosa et donna naissance à Mikurmiaki, l'infini. Voilà les éléments de la cosmogonie. Et c'est donc à travers de la compréhension de cette formule énigmatique que j'ai fini par reconstituer, et là, en ayant recours à une approche interdisciplinaire, faite de connaissances géologiques et minéralogiques notamment, que j'ai essayé de reconstituer la formule de la manière suivante. Nous avons à l'origine une pierre minerai.
Cette pierre minerée est en l'occurrence une pierre minerée contenant du cuivre, supposons un carbonate de cuivre hydraté, de la malachite. Elle se présente sous forme de boule. Alors, dans la compréhension des francs anciens, eh bien, entre la boule et l'œuf, eh bien, il y a tout de suite une association de formes. La pierre minerée contenant du cuivre, elle est verte et contient et est en forme de boule. J'imagine qu'à cette époque où le métal n'était pas encore découvert, il a pu être découvert par tâtonnement. C'est-à-dire qu'en utilisant ce type de pierre comme fourneau, chauffé à de hautes températures, il a dû y avoir un changement d'état qui a permis de passer de la pierre minerée au métal. À partir de ce moment-là, le métal apparaît dans l'imagination, dans la vision, dans la connaissance des francs anciens. Et donc, le processus scientifique, lui, demeure, ce n'est plus par tâtonnement, mais il faudrait désormais couler, aller prendre des grandes quantités de pierre, les chauffer et les couler dans un moule à quatre côtés pour obtenir un lingot. Alors, l'association que nous faisons, c'est-à-dire de l'œuf de cuivre qui se forme avec quatre faces, c'est tout ce long processus de développement des connaissances métallurgiques qui va de la pierre minerée se présentant sous forme de boule, n'est-ce pas, au lingot de cuivre qui est obtenu à la fin du processus. Et donc, il y a l'association là entre la forme ovoïde et le solide à quatre côtés. Si, comme le dit l'histoire actuelle, c'est au XIXe siècle qu'il pénètre au Gabon, je pense personnellement qu'il s'est écoulé environ quelque chose comme 3 à 4 siècles de l'habitat primitif, n'est-ce pas, jusque dans l'habitat actuel. Marco, oh, Marco, oh, Marco. Marco, what are you doing? Marco, oh, Marco, oh, Marco. Munga, munga, hey, and I'm Marco, what are you doing? Marco, oh, Marco, oh, Marco. You mean look at me, and I'm Marco, what are you doing? Marco, oh, Marco, oh, Marco. Munga, munga, hey, and I'm Marco, what are you doing? Marco, Marco. You will do it, and I'm a good woman. Oh, 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 oh. C'est pendant cette période de migration que les un événement fulgurant survient. Et cet événement, je pense que c'est celui qui détermine la genèse du Mvet. Le fameux commun, le coma initial, hein, le coma de Yona Dangon, qui est à l'origine un guerrier comme tous les autres. Et on sait que pendant ces migrations, qui se caractérisent entre autres par les guerres, par des affrontements, l'une des règles, c'est de survivre. Et on nous dit Yona Dangon, qui faisait partie de ces guerriers, est tombé dans un coma, j'appelle ça coma initial ou coma initiatique, qui a duré 6 jours et 6 nuits jusqu'à une septième. Et c'est au terme de la septième nuit qu'il va se réveiller. Les maîtres disent que pendant ces 6 ou 7 jours, notamment les 7 nuits, c'est là qu'il va avoir la vision, la révélation, la réalité, si on veut, du Mvet. Le Mvet, donc, avant d'être instrument, diseur de Mvet ou philosophie, est d'abord contemplé. Située au nord du Gabon, la province du Wolentem a donné naissance à quelques conteurs parmi les plus illustres. Le village Aoua, à 50 km d'Oyem, la capitale, est l'une de ces terres fécondes qui a produit 2 maîtres incontournables du Mvet moderne.
Akueobian, maître énigmatique auquel certains prêtaient des pouvoirs mystiques de dédoublement et le don d'ubiquité. Sa mort mystérieuse contribuera à amplifier cette réputation. Mvomeko, maître surdoué dont le chant mélodieux épousait jusqu'à l'osmose le son de l'instrument, une étoile filante qui, à l'âge de 25 ans, rejoignit les immortels. Autre temple du Mvet, Angia, village du grand maître Zuengema, père incontesté du Mvet moderne. C'est lui qui le premier déchira le voile du secret en autorisant la transcription du Mvet en allemand par Herbert Pepper. Maître Tirandong Dutum, un de ses disciples, originaire du village Ngongom, poursuit l'œuvre de vulgarisation et a déjà publié des ouvrages de référence sur le Mvet. À l'instar d'autres auteurs, tels Maître Eyimondong de Guinée équatoriale ou le Camerounais Nobelinga, qui ont contribué à la propagation du Mvet écrit dans les milieux intellectuels. Reconnu parmi les maîtres, Aingonondo du village à Komakamayo fut l'une des rarissimes femmes initiées. Captivante par sa verve, cette maîtresse diseuse de Mvet fut jusqu'à peu avant sa mort en 2001 une véritable étoile adulée par les connaisseurs. C'est dans ma jeunesse que j'ai été initié par Abaundo, mon grand frère qui était maître diseur de Mvet. C'est d'abord aux garçons qu'il a demandé de s'initier, mais ils ont manqué de courage. Par la suite, il m'y a donc invité. J'ai accepté, j'ai appris, puis il m'a initié. L'initiation s'est faite de manière étrange pendant la nuit. Il a préparé un mélange d'herbes sacrées, m'a placé à l'arrière de la case, m'a demandé d'ouvrir la bouche et lui, de l'autre côté de cette même case, lançait par-dessus le toit ces herbes qui tombaient directement dans ma bouche. C'était le père de Sonaba, le jeune homme qui m'accompagne. Le comté ne se rencontre jamais. Lui, là, il part là-bas, l'autre, il part là-bas. On ne peut pas appeler deux comtés à la fois. Si c'est moi qui ai été appelé ici, l'autre ne peut plus être là. Il va aller de l'autre côté. Mais à moins, quand on n'a pas de séance de Mvet, alors on peut se rencontrer en buvant le vin, on discute, mais sans parler de l'histoire de Mvet. Parce que là, on ne cause pas le Mvet comme ça. Et nous avons un jour là, la Guinée là-bas, au nom de Yimandong. Un jour, il m'avait dit d'aller lui voir pour qu'il me demande, pour qu'il me fasse encore plus. Moi, j'ai refusé parce que là, je ne savais pas à quel point il va me prendre. J'étais obligé de refuser. J'avais peur parce qu'il est plus vieux que moi. Et puis, il connaît beaucoup de choses. C'est vrai, je sais beaucoup de choses. Vous savez, au-dessus de mon lit, il est accroché un gris-gris et qui me permet d'entendre tout compteur d'un vet, où qu'il se trouve, qu'il se produise au Gabon, au Cameroun ou ici en Guinée équatoriale, je l'entends. En vérité, je suis la boîte aux lettres de tous les compteurs. Je suis l'intermédiaire entre les compteurs et l'au-delà. N'importe qui ne peut devenir grand maître. Seul, celui qui est allé s'initier dans l'au-delà peut l'être. J'ai la liste de tous les grands maîtres. Celui qui n'y est pas n'a pas encore atteint le sommet de la connaissance en Mvet. Reflet d'une forte demande qui n'obéit pas toujours au découpage des frontières officielles, la migration des compteurs à travers le Cameroun, le Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale, où vivent des populations fang, traduit la vitalité du Mvet.
influencé notamment par l'œuvre de Tsirandong Tutum, des jeunes auteurs de bandes dessinées traduisent une vision picturale du Mvet pour la jeunesse. En cela, ils rejoignent la nouvelle génération de conteurs et d'artistes plasticiens qui œuvrent à rendre le Mvet accessible aux profanes et à conforter sa dimension universelle. Le message du Mvet, le nôtre, l'andambe, est clair. L'homme d'Engong est immortel. Bon, l'homme d'Oku est mortel. Et comme je viens de vous le dire, l'homme, cet homme, l'immortel, est invisible. C'est celui-là qui est l'homme d'Engong. Bon, le mortel, l'homme que nous voyons, la chair, tout ça, l'homme d'Oku, c'est lui qui est visible. Il faut donc que lui, l'homme visible, recherche l'homme invisible qui est en lui et qui est l'homme Dieu, qui est Dieu. Alors, lorsque l'homme, le mortel, se met à chercher l'homme, l'immortel, il se produit un combat.